parti pour cette troisième épreuve avec un bon départ donc pour Ninutu également. Bien parti, Bye Bye Rocket, Goji Well. Ensuite, il y a Soul Connection. Dans leur sillage, il y a Alaskan Night. Ensuite, on retrouve eh bien, Liquid à son extérieur, Alaskan Night. Ensuite, Man of Property en dernière position, Captain Garrett. Les chevaux vont accrocher la roue du gouvernement dans quelques foulées. Toujours sous la pulsion de Bye Bye Rocket devant Ninutu. Avec Goji Well qui eh bien, commence quelque peu son effort et se porte déjà sur l'arrière-main de Bye Bye Rocket qui va mener le peloton en ligne droite sous la menace de Goji Well. Ninutu qui attend sagement son heure en pleine ligne droite finale. Eh bien, Bye Bye Rocket qui va être accroché maintenant par Ninutu qui va gicler côté corde à l'extérieur. Il y a Goji Well. Eh bien, Bye Bye Rocket a toujours l'avantage alors que Ninutu termine de plus en plus fort. Bye Bye Rocket et Ninutu. Bye Bye Rocket devant Ninutu. Eh bien, deuxième surprise pour l'écurie Chameau-Tchad avec Bye Bye Rocket qui s'impose après une très très longue absence. Alors, je crois qu'ils ont trouvé la solution, Jean-Philippe. Si on met le joker Ivaldo Santana, c'est 100, 140, 150. Là, ils ont mis les Mauriciens. C'était 3000 roupies. Là, c'est 1470. Eh bien oui, alors qu'on revoit la dernière ligne droite, Bye Bye Rocket qui a mené la course à sa guise. Eh bien, Goji Well n'a pas la même accélération. Ninutu tente son va-tout, mais n'arrivera pas à refaire son retard sur Bye Bye Rocket qui s'impose. Et ça fait deux pour l'écurie Chameau-Tchad qui donc enregistre sa 28e victoire de la saison en 28 journées.